Théo, je suis ton père. Non. Oh. Eh, faut pas croire que je l'entends tout le temps comme ça, hein. Ah non, non. Ah, parfois c'est pire. Oh, vas-y. Oh, pardon. En fait, le solitaire, est-ce que c'est considéré comme de la masturbation? À quoi elle sert la bande-annonce du film? Sur le DVD du film en question, est-ce qu'il y a déjà un type qui s'est dit « Waouh, chouette, je vais pouvoir en mettre un autre ?» Non, parce qu'à part rattraper le film en espace de 1 minute, elle sert à quoi? Et t'imagines si Dark Vador, il avait fait une vasectomie? Et Harry Potter, t'imagines si le père d'Harry Potter, il avait fait une vasectomie? Ah bah non, 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 bah non, du coup ça marche plus, il n'y a plus de film du coup. Et dans X-Men, le professeur Xavier, entre nous, il a dû pécho sévère hein, dans son institution pour élèves surdoués. Oh, pardon. En fait, la révolution, c'était un tour sur soi. Est-ce que tu crois qu'il y a déjà quelqu'un qui a reçu une réponse après avoir mis une bouteille à la mer? Du genre... Hey, salut, on a bien reçu ta bouteille. Alors, le message à l'intérieur n'y était pas. D'ailleurs, si tu pouvais mettre tes déchets ailleurs, ce serait sympa. Merci. N'empêche, quand tu y penses, la société est mal foutue. Pour bouffer, il te faut du papier. Pour avoir du papier, il faut couper des arbres. Si tu coupes des arbres, on peut plus respirer. Si on respire plus, on n'a plus besoin de bouffer. Plus besoin de couper des arbres. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mais pourquoi? C'est sympa une propulsion, non? Est-ce qu'il y a déjà un mec qui s'est dit « Si j'ai la possibilité de remonter dans le temps, eh ben j'irai voir mon père et je lui conseillerai de porter une capote. » Et chaque anniversaire, du coup, c'est un an de gagné ou un an de perdu? T'imagines si l'homme il avait la capacité du chien? Je pense qu'on serait tous pliés en deux en ce moment en train de se lécher les couilles. Pour moi, il n'y a que deux choses qui sont infinies. L'univers et la connerie humaine. Est-ce que la tourista, c'est l'envie de chier sur les touristes quand tu les vois? Et t'imagines baptiser ton enfant comme tu ferais pour un navire? Poum! Mon précieux! Ils nous l'ont volé! Colombe! Colombe! Et tu vois, quand j'étais petit, moi je pensais que les gens s'arrêtaient sur l'autoroute à cause de ça. C'est con, non? Poussez, madame! Poussez! Allez-y! Oh, oh, oh. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit vieux! Pardon. Et vous pensez qu'il finit où? Benjamin Button? Allez, vas-y, fiston, c'est bien. Oh. La consanguinité, en fait, ça doit pas rester en famille, ça. Tu sais, je crois qu'il y a qu'un seul moyen de garder une personne qu'on aime toute sa vie près de soi. D'avoir un jardin et d'enterrer le temps. Oh. Tu sais quoi? Dans chaque coquillage, il paraîtrait... C'est la chambre d'océan. Quand j'étais petit, je pensais que sodomie, bah, c'était un morceau de piano. Et finalement, en 2012, on est tous morts ou pas? Hé, filmer, c'est un petit peu comme être photographié. Sauf que ça bouge en fait. Convaincu qu'un jour, la technologie elle sera si petite qu'on oubliera qu'elle est partout. Alors bonjour à tous, alors voilà, j'ai fait cette petite vidéo parce que ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'ai écrit énormément de conneries et que je voulais les faire partager. Donc n'hésite pas, si ça te plaît, tu t'abonnes, si ça te plaît pas, tu t'abonnes. Et tu partages, tu commentes, tu likes, tu dislikes, je m'en fous, l'essentiel. C'est que tu regardes.
Mmh.